Salut les amis, on se transforme en Super Saiyan pour passer un bon moment ensemble et éventuellement défoncer des gueules dans cette vidéo. Bienvenue pour le 12e épisode sur Ratchet & Clank. Donc on se retrouve au même endroit qu'on s'était laissé sur Pokitaru, en espérant que cette fois-ci j'ai plus de chance que la dernière fois, parce que c'était galère quand même. Hein. Allez, là je le sens bien perso. J'ai l'air foutre la misère à ces petits enfoirés là. À ces poissons de merde là, je sais même pas c'est quoi. Où c'est? Ok. Waouh, il m'a fait peur lui. Alors, on va éviter. Voilà. Ça veut plus rien dire ce que j'essaie de dire. On va essayer d'éviter d'utiliser les munitions de pierre au lanceur pour les garder pour des moments plus utiles. Oula, oula, oula. Voilà. C'est terminé, il n'y en a plus. Là, on s'en fout, il n'y a rien d'intéressant. Là, il y a toujours la petite alerte pour nous prévenir qu'il y a des boulons qui traînent dans le coin, mais on s'en fout. Ouais. J'ai envie de faire des économies, mais je me fais éclater. Donc bon. Voilà, faut plutôt utiliser la mitrailleuse, au moins je peux les tuer à distance. Parce que sinon, c'est la galère. Donc on remonte sur ce truc de merde là. On ressort le pierre au lanceur. Là, normalement, ça devrait être bon. Je pense. Voilà. Oh, l'autre, il saute carrément sur moi. Non mais... Là, ça va, c'est tranquille. Ah, j'ai bien fait de parler, tiens. Elle est plus qu'un point de vie. C'est chaud. On va continuer de tourner. Voilà, on est arrivé à bon port. Ouais. Bien joué. Allez, on ramasse ça. J'espère que le son vous plaira. N'hésitez pas à vous plaindre. Si ce n'est toujours pas parfait, moi je cherche la perfection les gars. Donc n'hésitez pas à le dire. Je lis vos commentaires, j'y réponds d'ailleurs. Bon, c'est parce qu'il n'y en a pas trop. Hein. J'avoue que bon, quand je vois certains youtubeurs quand ils ont 1000 ou 3000 ou 4000 messages, bon, je me dis bien qu'ils peuvent pas trop répondre. Moi j'en ai quoi, une dizaine? Et encore. Pas toujours hein. Putain, j'ai plus qu'un point de vie, l'autre... Non. Mais... Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je vais jamais y arriver. En plus là j'ai plus de pyro lanceur. Comment tu veux que je fasse? Ça va être compliqué hein. Allez, dégage. Ouais, mais j'ai plus de pierre au lanceur. Je peux plus rien faire, là, les gars. Ah, mais... Fuck. Ouais, voilà. Mais... Pourquoi? Ah, mais je crois qu'il y a un truc pour acheter des munitions, non? Non. Du tout. Ok, bah en fait ça va durer plus longtemps parce que j'ai plus l'arme qu'il me faut. Tiens, mange-toi ça. Mange-toi ça. C'est chaud, c'est chaud. Mange-toi ça. Mange-toi ça, mange-toi ça. Oh, ça va en fait. En fait, ça va. Hein. Pas besoin forcément du pyro lanceur. Hein. Voilà, je m'en suis sorti. Alors, je sais pas trop comment j'ai fait, mais je m'en suis sorti. Oula, oula, oula. Hop.
Toi, mange-toi ça, toi aussi. Mais... Mais... Putain, j'ai perdu 2 points de vie, là. Saloperie. Je m'en vais. Putain, mais mange-toi ça. J'ai plus de munitions de rien. Comment tu veux que je passe? Allez, voilà. Attaquez-vous. J'aurais dû y penser plus tôt. Allez, mangez-vous ça. Bon, ça reste chaud quand même, hein. Putain, en plus, je suis pas loin, là, les gars. Faut juste que j'aille au bout. C'est bon. Il me reste qu'un point de vie, je vais pas faire le fou. Putain, mais juste des munitions qui coûtent super cher. Voilà. Merci, au revoir. Bon, on y est. Alors, il est où ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et blanc, un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance aux touristes et la direction me fait pas confiance. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors aboule le masque ou je te fais une tête au carré. Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez. Allez voir Bob dans son robot romain. Il connaît bien ses serrures. Oui, je crois que j'ai pas assez de boulons. Il me semble que c'est 2500 ou 5000. Bon. Bien, bien. Voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé l'hélipack. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hé, hey, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulse opaque. Ouh! Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. Voilà, 2000 boulons. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, j'ai l'air un peu con. Je vais devoir ramasser des boulons. Bon, ça va, 2000. Ça devrait le faire. Voilà. Oh, ils sont tous réapparus. Hop, on esquive. Dac, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars. Flambe en neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Voilà. Ouais. Allez, faut tout défoncer. Par contre, j'utilise toutes mes munitions là comme un gros sac. Ça va, je suis un pilote, les gars, je suis un pilote. Je vais tout défoncer, moi, je vous le dis. Oh là 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 là. Je suis vraiment un pilote. En plus, je suis modeste. Ça va, ils m'en tirent pas beaucoup de vie, hein. Ils ont du mal, hein. Ah, les petits blargues, là, ils font trop rire. Peut-être que
Voilà. Allez, bim. Bim. Voilà. Mais franchement, il y a des petits vaisseaux, il leur reste plus grand chose. Tais-toi, toi. Je t'ai rien demandé. Voilà, ça c'est terminé. Il en reste plus rien du tout. Toi, tu t'es... Oh là là, je suis vraiment un pilote. Je crois que je l'ai dit au moins 4-5 fois, mais bon, au moins, vous avez compris quoi. Alors attendez, il y en a un de ce côté-là. Voilà, il n'en reste plus que un. Par là, voilà. Bim, tiens, comme ça, c'est réglé. Mission accomplie. Je pense que j'ai pas le choix. Et voilà. Bah, c'est pas trop tôt. C'est clair, c'est pas trop tôt. Oh, bon, ils peuvent me tuer maintenant s'ils veulent. Je m'en tape. Mais, pourquoi? Ah, dommage. Ça m'aurait ramené au vaisseau, ça aurait été encore mieux. Voilà, hop, on retourne au vaisseau. Bisous Pokitaru, ça nous aura fait plaisir de te voir. Et donc je sais qu'il y a des boulons, il me semble, dans la mer, hein, ici. Mais bon, on verra plus tard. Peut-être on fera un épisode bonus à la fin du jeu. Mais là, je me sens pas de chercher les boulons partout. Voilà, donc on retourne à Orkson ou Orkson, je sais plus. Et voilà, maintenant Ratchet peut respirer, donc il n'y a pas de souci. Voilà, tiens, ça t'apprendra à dormir, sac à merde. Excusez-moi de mon langage. Oula, 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 oula. Que se passe-t-il? Vous noterez qu'il n'y en a aucun des deux qui m'a touché. Ah, ah ouais. Mais, pourquoi? Vous noterez que je suis mort bêtement. Mais c'est parce que j'aime pas ce truc. Ce truc, j'ai horreur de ça. Moi, je préfère les hélices. Le petit hélipack. Alors, j'ai sauté à l'arrache, là. Si je m'en sors, vraiment, j'ai de la chance. Oh là là. Ok. C'est ce qui s'appelle user une munition pour rien. Hop, esquive. Tiens, mange-toi ça, toi. Oula. Oula, 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 oula. Ah. Ah. Mais, pourquoi? Attends, y a pas un truc... Ouais, de toute façon, j'ai plus de... J'ai pas de boulon, donc ça sert à rien. Oh bah si ça le réveille, ça sert à rien. Allez hop, on tue les deux d'un coup. Ok, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi je sens que ça va être compliqué? Tu vois, c'est pas tellement le fait qu'il soit dur à battre. C'est surtout le fait que j'ai plus du tout de munitions, quoi. Donc voilà, mange-toi ça. Eux, ça va, ils sont pas compliqués. Tu les esquives, tu leur fous un coup dans la gueule, ils comprennent plus rien. Merci.
il y en a un faux robot là-bas. Et là, je sais pas ce qu'il y a. Oula, 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 ça commence mal. On va plutôt aller par là, tiens. Ah. Ah. Mais, pourquoi? Au moins, j'apparais là, c'est déjà pas mal. Oh, tu crois quoi, je m'en fous, moi, de tes trucs. Hop, voilà, hop, on esquive tout le monde. Merci, au revoir. Le but, c'est de même pas de tuer les ennemis, c'est de les esquiver. Allez, on esquive tout le monde et on se barre. Et les petits oiseaux qu'on peut défoncer éventuellement. Le problème, c'est qu'ils étaient derrière moi, donc c'était compliqué. Voilà. Ok. Ah, oh, même sur les côtés, ça tient, quoi. Regardez-moi ça, j'ai l'air con. Voilà. On récupère la vie. On prend le swinger. Hop. Oh, le petit enfoiré. Hop là. Mais, je vais le manger ton coup. Oh putain, c'est dommage. Mais, pourquoi? J'avais géré de ouf. Mon dernier essai. Dernière tentative et après... Dodo. Dodo, n'importe quoi. Et après, bah j'arrête. Hein. Je sais même pas combien de temps ça fait là. Putain, c'était... Il y avait plus rien, là. Mais... Pourquoi? Mais... Pourquoi? Bon, on va s'arrêter là parce que je galère de ouf. Donc, à très vite pour le 13e épisode. Surtout si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer. Et à très très vite pour le prochain épisode. Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo, sinon je te mets un coup de clé. Et surtout n'hésite pas à aimer.